Marié pour le meilleur et pour le pire. Bref, j'étais au mariage de mon cousin que j'avais dû voir 3 fois dans ma vie à des mariages. Le costume que j'avais mis était le même que je mettais toujours aux entretiens d'embauche, aux enterrements et au mariage. Les pellicules aussi étaient les mêmes. Je me faisais tellement chier, j'avais l'impression d'être devant Question pour un champion. Il s'était dit oui. Oui. À intervalles réguliers, mon oncle criait. Ensuite, ils ont fait des photos dans un parc. La mariée a lancé le bouquet, une fille l'a attrapée, elle m'a regardé, elle était pas mal. Elle était pas terrible. À poil ! On a fini dans une salle des fêtes, le genre de salle où à tout moment, un mec bourré rallume les néons. Oh, oh non ! À poil ! On est passé à table, j'ai remarqué qu'ils avaient fait une faute à mon nom. Ils avaient mis qu'un S. En même temps, je m'appelle pas Jessica. À un moment, ils ont tout arrêté pour passer une vidéo. Ça a pas marché. Le seul truc bon, c'était les mousses au chocolat. J'en ai mangé 4. Le champagne aussi était bon. Je me sentais pas bien. Je suis allé aux toilettes. Sur le chemin, il y avait la fille au bouquet de fleurs qui m'a dit « Tu viens danser ?» J'ai dit « Non ». Elle a dit « Moi, c'est Jessica ». J'ai dit « Non, c'est moi ». Elle a dit « Quoi ?» Les mousses au chocolat m'ont dit « Cours ». En sortant des toilettes, j'ai entendu du bruit. J'ai compris que c'était les mariés. Je me suis dit qu'ils perdaient pas de temps. Je suis sorti. Je suis tombé sur le marié. Je me suis dit qu'elle perdait pas de temps. Il m'a dit « Ça va ?» Oui. J'ai dit non. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit les toilettes elles sont cassées. Il m'a dit c'est pas grave, on va pisser dehors. Il est parti. J'ai sauvé un couple. Bref, je suis allé à ce mariage. Les mariés s'embrassent et là je crie à poil. Oh, c'était un beau mariage.